admirable. Car o Deus que barani, Jesus. Do you believe? Ora das. This miracle. Peredesa. Supernatural. Dunamis power. Wow, wow, wow. Do you believe? This miracle. On vient des églises prophétiques. Père, merci pour la grâce. Yes. Qui a sur moi, qui a sur mes fils. Amen. La grâce qui a sur moi, qui a sur mes fils. Yes. J'aurais commencé sans honorer le Dieu de mon père, le prophète Joël, de nous permettre de pouvoir servir sur ce jour. J'honore le Dieu du patriarche qui est avec nous, papa. Nous reconnaissons votre Dieu et que votre Dieu marche avec nous en ce jour. Maintenant que je suis en train de parler, yes, je suis pris en vision. Je suis en train de voir une date. La date que je vois, c'est le 11 septembre. Avance, prophète. Je vois le 11 septembre. Yes. Pendant que je regarde les chaussures, la personne pour qui je suis en train de prophétiser doit certainement faire du 43. Et il est le fils d'une femme qui s'appelle Yvette. Il est là, il est là. Oh. Exactement, prophète. Je suis le fils à Yvette. Vous êtes le fils à Yvette. Oui. Est-ce que vous êtes né le 11 septembre? Exactement, prophète. Et pendant que je suis en train de regarder mes chaussures, je vois le numéro 43. Exactement, prophète. Kalapayatalababa. Professeur. Je peux commencer à faire le travail. Commence, prophète. Je suis dans une vision. Dieu est en train de me dire ceci. Je dois te dire. Écoutez-moi. On peut chercher Dieu en tâtonnant, mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Avance, prophète. Dans Actes des Apôtres, Dieu a ordonné que les hommes le cherchent en tout lieu, en tout temps, même en tâtonnant. Yes. On peut chercher Dieu même en tâtonnant, mais on ne le sert pas. Hey! Une armée se lève. Amen. Mais Dieu est en train de réorganiser les choses. Amen. Qui est prêt? Yes! Qui est prêt? Yes! Qui est prêt? Yes! Qui est prêt? Yes! Décolle, papa! Il y a des anges au-dessus là. Yes! Il y a des anges en bas ici. Yes! Le ciel est ouvert. Montez, montez, montez. Tcha! Il y a des anges ici. David Kainos. Il y a des anges ici. Tcha! Gracien Itika. Il y a des anges ici. Avance, prophète. Balance tes mains là où tu as dit, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Je décrète et déclare. Yes. À partir de cette saison. Yes. Que des églises à Brazzaville deviennent prophétiques. Amen. Que des églises au Congo deviennent prophétiques. Yes. En Angola, prophétique. Yes. Au Japon, prophétique. Yes. En RDC, prophétique. Yes. Dans les nations que nos églises. Yes. Deviennent des églises prophétiques. Prophétiques. Père, merci pour la grâce. Yes. Qui a sur moi, qui a sur mes fils. Amen. La grâce qui a sur moi, qui a sur mes fils. Yes. My God. Le kapaya. Attendez. Le kapaya. Avance, papa. Tcha. La langue. Élève ton esprit. Parle en langue là où tu es. Tu peux même commencer à battre les mains là où tu es. Pendant que tu bats les mains, tu es en train de créer un bruit. Les bruits prophétiques. Les caporas. Est-ce qu'un ministre de Dieu peut commencer à battre les mains? Est-ce qu'un ministre de Dieu, un pasteur, un apôtre, un prophète peut commencer à battre les mains? Là où tu es, tu bats les mains. Les caporas. Les caporederas. Les prayas de Bakita. Pendant que tu bats les mains, la même onction descend sur toi. Pendant que tu bats les mains, la même onction descend dans ton église. Pendant que tu bats les mains, est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Les capoyas, ce n'est pas un spectacle, c'est une impactation. Pendant que tu bats les mains, toi aussi, tu es impacté. Tu reçois la même grâce. Bats les mains, bats les mains, bats les mains. Les capayas, les capayas, les anges sont là. Les dieux des esprits des prophètes. Bas les mains là où tu es. Bas les mains là où tu es. Les capayas.
langue là où tu es. Alors que tu es en train de parler en langue, l'atmosphère est saturée. Le capara, ikerebo sheka, le prele le vera, le capire de pas, le chele baba, le capara. Le capaya baika, le kerebere baba baba, le capaya, ikarabashe, le kepa, ikarabasha, le kerebo sheka, l'ikerebo sheka. Le parabakopa. Balababosha parababa. Le kerebosha. Le kerebere papa. Le parabaike. Le kereboikapa. Alabalokapa. Le perebereboshe. Balemela tué. Est-ce qu'un homme de Dieu? Est-ce qu'un homme de Dieu peut parler en langue? Ne soyez pas discret. Ne soyez pas discret. Bereboshapa. Reperebereboshapa. Merebo shapa rababa, repa parabashe, reka parabashapa, eperebosha, ikarababa baba boshe, perebereberebosha, parabarababa baba, lekapa, le perebosha. Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est en ce lieu? Je disais, est-ce qu'à Brazzaville on sait que Jésus est en ce lieu? Yes. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus de là où tu es? Yes. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut commencer à acclamer Jésus-Christ dans la ville? Aïe, papa, 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 satara. La soupradi, avata. La soupradi, papa, papa, chata. Yes! Je ne saurais commencer sans honorer les dieux de mon père, le prophète Joël. Les capas. Je ne saurais commencer sans honorer le dieu de mon père, le prophète Joël. De nous permettre de pouvoir servir sur ce jour. J'honore le Dieu du patriarche qui est avec nous, papa. Nous reconnaissons votre Dieu et que votre Dieu marche avec nous en ce jour. De la part de mon père, prophète Joël, j'ai appris à honorer les pères. Et nous aimerons vous honorer en ce jour. Est-ce que le fils du prophète peut commencer le travail? Prophétise! Est-ce qu'à Brazzaville, on veut entendre Dieu ce matin? Yes! Je vois le ciel ouvert en ces lieux. Gracien Itikai. Je vois le ciel ouvert en ces lieux. Yes. Pendant que j'étais en train de prier très tôt ce matin, yes, j'ai eu une visitation angélique. Dans cette visitation, j'ai été pris par un ange. Il m'a emmené quelque part où j'étais en train de voir la ville de Brazzaville. Et j'ai vu des êtres spirituels en train de descendre avec du feu. Et il y avait des gens comme alignés en ligne. Et il donnait à chacune des personnes qui venaient du feu. Il m'a dit, une des choses qui va marquer ces assises, sans que après ces instants, vous rentrerez chez vous avec un feu qui ne s'éteindra plus. Je reçois. Je ne sais pas sur qui je suis en train de prophétiser. Yes. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces assises. Yes. Après ces deux jours. Yes. Il y aura un feu dans ta vie. Un feu dans ton ministère. Yes. Qui ne va plus s'éteindre. Amen. Qui ne va plus s'éteindre. Yes. Est-ce que je peux commencer? Décolle, prophète. Pendant que je suis en train de parler, yes, je suis pris en vision. Je suis en train de voir une date. La date que je vois, c'est le 11 septembre. Avance, prophète. Je vois le 11 septembre. Yes. Pendant que je regarde les chaussures, la personne pour qui je suis en train de prophétiser doit certainement faire du 43. Et il est le fils d'une femme qui s'appelle Yvette. Il est là, il est là, il est là. Oh, est-ce qu'à Brazzaville, on sait qu'il y a des prophètes? Yes! Le Dieu de mon père est en ces lieux. Amen! Je disais, le Dieu du prophète Joël est en ces lieux. On va vérifier rapidement pour que je sois sûr que je parle à la bonne personne. Yes! Exactement, prophète. Je suis le fils à Yvette. Vous êtes les fils à Yvette. Oui. Est-ce que vous êtes nés le 11 septembre? Exactement, et prophète. Et pendant que je suis en train de regarder mes chaussures, je vois le numéro 43. Exactement, prophète. Kalapayatalababa. Professeur. Je peux commencer à faire le travail. Commence, prophète. Je suis dans une vision. Dieu est en train de me dire ceci. Je dois te dire des choses que le diable avait prévu de faire dans ta vie, qui devaient t'affecter dans les prochains 3 mois. Mais si je ne te le dis pas bien, tu penseras que ces problèmes vont venir d'un coin qu'on appelle Maya Maya. Mais pendant que je suis en train de regarder ce problème qui veut commencer, dont je veux te dire maintenant là, le Seigneur est en train de m'emmener dans un coin qu'on appelle Ilebo.
Il est beau. Et je me retrouve en air de ses genoux. Je veux prophétiser, ne t'inquiète pas. Mais quand j'ai dit 3, j'ai entendu 14. Moi, ma mère est née le 14 septembre. Il y a quelqu'un qui est là quelque part là, dont la mère est née aussi le 14 septembre. Yes. Il vient très rapidement. Avance, prophète. Un homme, sois à côté de lui. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Toi, ta mère est née le 14 septembre. Moi, yes. Ma mère est née le 14 septembre. Lui, il est né le 11 septembre. Maintenant, regarde-moi très bien. Toi, ton futur est là. Je peux commencer à dire ce que je dois dire maintenant. Il est prophète. Homme de Dieu, je vous parle avec beaucoup de respect et d'humilité. De la part de mon père spirituel, j'ai appris à travailler avec le respect, surtout quand il s'agit de parler aux hommes de Dieu. Yes. Comprenez que je ne serai pas en train de dire toutes choses très ouvertement parce que nous sommes à la télévision et nous sommes sur les réseaux sociaux. Come on. Mais déjà, pour que vous puissiez savoir que Dieu est en train de me parler de vous, je suis en train de vous voir dans une famille où je ne vois un seul garçon et 4 filles. Exactement. Gracia Itika. Je vois une famille où il y a un seul garçon et 4 filles à exactement, côté. Exactement, prophète. Come on. Calabra Shandana. Avance, prophète. Maintenant, vous savez que je suis en train de vous parler. Je, yes, peux continuer. Je peux monter. Yes. Est-ce qu'on me permet de monter en ces lieux? Monte, prophète. Pendant que je suis en train de te regarder, le Seigneur est en train de me dire que ce qui s'est passé en octobre 2021 veut encore se passer maintenant là et affecter ta vie. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis dans une vision, je suis en train de voir une flèche qui est en train de quitter ce coin dont je mentionnais, qui s'appelle Ilebo, qui descend vers Kinshasa et frappe un homme qu'on appelle Jeff. C'est exact, mon père est mort en octobre 2021. Tcha! Gracien Itikai! Est-ce que quelqu'un peut soit célébrer le prophétique? Soit on ne le sert pas. Yes. Le temps est arrivé. Yes. À Brazzaville. Yes. On saura que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. On saura qu'il a des prophètes dans cette ville. Yes. Amen. Il est Ilebo, c'est vrai. Il était Ilebo. Kalababa. Yes. Comment, prophète? Et regarde ce qui est en train de se passer. My God. Parce que je suis là en train de voir complètement toute la famille. Machada. Je vois papa Jeff en train de tomber. Je vois maman Yvette rester à côté. Et je vois les filles à côté. Pendant que je vois les filles, j'entends même le nom de Curtis. Curtis, Curtis, Curtis. C'est qui Curtis? Curtis, c'est notre cadette. Et le Seigneur est en train de me dire que Curtis est une grande bénédiction pour vous. Yes, prophète. Curtis sera une grande bénédiction pour, yes, vous. Parce que je vois l'argent entre ses mains. Yes. Et c'est quelqu'un qui, dans les années à venir, va vraiment être un des grands partenaires de ton ministère. Yes. De ton ministère, de ton ministère. Yes. Mais pourquoi j'ai parlé de Maya Maya? Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, il y a comme un groupe de 4 personnes que je suis en train de voir dans ce coin qu'on appelle Maya Maya, en train de parler en mal de toi. Je le vois sur une table assise en train de dire que Mike Najot doit fermer. J'entends Najot, ils sont en train de taper pour dire que Najot doit fermer. Mike ne doit pas évoluer ici. C'est le nom de mon église, cité des Najot. À moins que je ne sois pas prophète de Dieu. À moins que je ne sois pas fils d'un prophète général. À moins que je ne sois pas le fils du prophète. Je déclare et je prophétise, yes, que ton ministère ne fermera pas. Yes. Écoute-moi. Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie est en train de changer les choses dans cette communauté. Et Dieu me dit, il est en train de t'élever comme père dans cette nation. Ainsi est en train de me parler le Seigneur. Il est en train de t'élever comme père dans cette nation. Et ce scandale, cette attaque allait venir de ce coin-là pour finalement détruire tout ce que tu faisais. Mais en fait, le combat ne vient pas de là. Parce que je suis en train de voir des sorciers en train de travailler en corrélation. Je me retrouve dans une vision, j'ai comme l'impression de voir des sorciers travaillant de ce côté et avec ceux de l'autre côté. Et je suis en train de voir la même scène qui a fait tomber papa Jeff en octobre 2021. Je suis même en train de voir le deuil. Pendant que je vois des gens en train de pleurer, j'entends des personnes. Et Dieu me dit que sa mort a laissé un grand vide dans la famille Bipula. Avance, prophète. Pardon? Wow. C'est le nom de sa famille, prophète. Parce que je suis en train de voir Dieu en train de me dire que quand il est mort, il était comme quelqu'un qui soutenait vraiment la famille. Yes. Je vois même quelqu'un en train de pleurer, Laetitia, en train de dire ingénieur Akei, ingénieur Akei. Yes, Laetitia, c'est ma tante. Mon père était ingénieur. Avance, prophète. Je déclare et je prophétise. Yes. Ils ont eu quelqu'un dans ta famille. Yes. Mais toi, ils ne te rendent pas. Amen. Toi, ils ne te rendent pas. Amen. Ton père ne va pas tomber. Yes. Ta femme ne va pas tomber. Yes. Tes enfants ne vont pas tomber. Yes. En cette saison, tu es en train de t'élever.
Pendant que j'étais en train de te parler, j'étais en train de voir le 14 septembre et Dieu me parlait de ta mère. Dieu me parlait de ta mère. Il y a comme aussi cette attaque-là. Le point commun entre toi et l'homme de Dieu, c'est que cette attaque qui est en train de venir attaquer ta mère vient aussi de ce même coin que je suis en train de voir en esprit qu'on appelle Maya Maya. Yes. Et je suis en train de voir cette attaque. Je ne sais même pas c'est quoi le lien avec ta mère Biomba. Je ne sais même pas c'est quoi le lien avec elle. Mais je suis en train de voir cette attaque venir de ce coin-là. Et Dieu est en train de me dire qu'en cette saison, il est en train de préserver ta mère. Amen. Amen. Le 2 juin, tu t'es dit quoi? Mon date d'anniversaire. Avance, prophète. Prophète, lorsque vous posez la question du 2 juin. Yes!